Alors, voici une écharpe, donc, réalisée au crochet, au point d'ananas, vous pouvez voir. On commence avec un motif, on augmente de 2, on fait 3, 4 et au fur et à mesure, on augmente jusqu'à la fin, vous pouvez voir. Alors pour cela, il m'a fallu prendre 12 pelotes de laine. J'ai choisi le bleu. Donc je vais vous montrer le premier motif et le deuxième. Le reste, c'est la même chose. Alors pour commencer, on choisit un crochet numéro 2 demi et on va commencer par cercle. Je fais 2 mailles, 3 mailles chaînettes en l'air. Je fais 3 brides. 2. Et 3. Je les sépare par 3 mailles chaînettes. Je refais 3 brides sur ceci. Je refais 3 mailles chaînettes et je fais 3 bride. Voici le début. Je tourne le travail, je fais venir piquer dans, sort, je viens piquer et je suis dans la première. Je fais 1, 2, 3 mailles, je fais 2 brides. Plus les 3 mailles chaînettes, ça va compter pour une bride, ça me fait une bride. Je fais 3 mailles chaînettes en l'air. Dans la même espace, je refais donc 3 brides, au total 6 brides ensemble. Je fais 3 mailles chaînettes en l'air, donc je sépare et je viens piquer dans le deuxième groupe et je refais 6 brides ensemble séparées par 3 mailles chaînettes. Je peux serrer déjà, donc trois, premier rangée, deuxième rangée, je tourne au travail comme toujours, je pique. Un, trois,
et je viens dans le groupe. Je refais trois machinettes en l'air. Je refais donc deux brides. Ça va me compter pour trois brides. Trois machinettes en l'air. Trois brides de nouveau pour un total de six brides ensemble. Je fais trois machinettes en l'air et dans l'espace, je fais trois brides. Je fais trois machinettes en l'air et je vais terminer par six brides. Dans le groupe 2, deux, trois et je tourne mon travail, je vais remonter donc et je refais trois machinettes en l'air qui vont compter pour trois une bride. Je fais six brides, six brides séparées par trois mailles chaînettes. Trois mailles chaînette. Trois mailles chaînette. On vient dans les espaces. Je fais six brides. Une, deux, trois. Ici, je fais 4, 5, 6, 7, je termine par 3. Donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais 3 machinettes et je vais terminer par 6 brides ensemble. C'est la première. On tourne le travail comme toujours. On va remonter la rangée en piquant. Et je fais trois mailles chaînettes, encore six brides chaque côté, six brides. Bon, je fais comme ceci, on peut changer, je fais deux, trois, et tout au long de donc jusqu'ici, jusqu'au début, jusqu'à la fin, on va monter 15 brides. Donc je commence par
Si, la dernière bride, une, deux, ça me fait trois, et dans toutes les brides, je vais monter au total 15 brides. Une, deux et non, la troisième. On doit avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze brides. Fait trois mailles chaînettes. Et on termine par six brides ensemble, comme au début ici. Après, à la fin, on tourne le travail. Et on remonte par 6. Comme au début ici. 3 mailles chaînettes, on fait 1, 2, 3 mailles chaînettes, on vient piquer en bride, ici, on fait 1, 2, 3, on compte 1, 2, on vient piquer dans la deuxième bride, je refais 1, 2, 3 mailles, je fais la même chose. Dans 2 brides, je viens dans la deuxième. Donc au total, on sépare de 2 brides. 1, 2, 3, la bride, 2 brides. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On compte première et on va piquer dans la dernière. On va terminer par 3 mailles chaînettes et 6 brides ensemble. Termine en retour, va remonter la rangée, comme vous pouvez voir, c'est sous forme d'étage, ainsi de suite. Et on fait 3 mailles, donc 6 brides ensemble. 6 brides ensemble. Ici, on avait monté 3. On refait donc 1, 2 et 3. 3, on vient piquer entre. On refait 1, 2, 3 mailles chaînettes et on vient piquer au milieu. Et on termine par 3 mailles chaînettes et 6 brides ensemble.
On tourne le travail, on va remonter. Deux, trois, et on refait les six brides ensemble. Six brides ensemble. Et si on a fait trois machinettes, on va augmenter d'une maille. Donc une, deux, trois et quatre. Et on vient piquer dans nos points d'ananas. Trois. Un, deux, trois, passe, un, deux, trois, un, deux, trois, et on termine par deux, trois, quatre et six brides ensemble. On tourne, on remonte par on refait toujours six brides ensemble comme ci. On a fait quatre machinettes, on va augmenter d'une maille, donc une, deux, trois, quatre et cinq. Et on pique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, la dernière, et on termine par 5 mailles chaînettes, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6 mailles chaînettes ensemble. Nous avons 1, 2, 3, 4, quatrième motif. On remonte. Cette fois-ci, on va faire donc on fait on vient piquer dans la première boucle, on fait 6 mailles, 3 mailles d'abord, 3 brides, excusez-moi. Brides, on fait 3 mailles chaînettes en l'air, on fait dans la deuxième corde bride, on fait de nouveau 3 brides, chaînette, et on augmente, on fait 3 brides de nouveau. On avait fait 5 machinette, on va monter par 6, 2, 3, 4, 5, 6 et en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2
et 3. On fait 6 machinettes, 3, 4, 5, 6, et on augmente de 3 ici comme on a fait au début. On pique dans la première boucle ici. On fait 3 brides. Trois mailles chaînettes, trois brides, trois mailles chaînettes et on termine par trois brides. On tourne le travail, on remonte comme toujours. On fait 3 brides. 3. Séparé par 3 mailles chaînettes, 3. On prend la première partie, on va remonter ici dans 3 mailles chaînettes en l'air et 3 6 brides ensemble. On avait fait 6 mailles chaînettes, on va faire 7, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on termine par 1, 2, 3, 1, 2, 3. On fait 7 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on refait cette partie ici. Voilà. Ça. On tourne le travail et on remonte. On fait 6 brides ensemble. 1, 2, 3. Trois mailles chaînettes en l'air. 3 et on reprend 3 brides. Trois mailles chaînettes et on fait 3 brides ici. Ici. Donc on prend juste la première partie, on remet ici et on avait fait 7, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles chaînettes. On vient piquer ici. 1, 2 et 3. La dernière. Et on remet
la partie, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on remonte cette partie ici. On a pris la partie là, on a remis ici, on tourne et on remonte. 1, 2. Donc on va prendre la partie, la deuxième partie. Si on va mettre ça ici. 1, 2, 3. Donc si ma chaîne s'hybride ensemble, on va prendre cette partie, alimenter 15 mailles, 3 mailles chaînettes en l'air et on va prendre 15 mailles, 15 brides. De 9 plutôt, hein. D'accord, on reprend. Et 3 mailles chaînettes. Donc on avait ici monté 9. Après on va remettre la partie et on continue avec partie. On va monter donc 6 brides ensemble.